Le couscous royal, le couscous et banbe merguez, voilà et ban mission mi-coupe, voilà. Je suis en mission au secteur du Cambindo, voilà. Je suis pas, voilà, dans mon église, voilà, on va faire comment? Voilà. Le couscous, mais dit couscous, couscous, couscous. Zani. Malos ma queue. Voilà, zani. Malos ma queue. Aujourd'hui, il m'a dit couscous sans mission. Et là où j'étais au Cameroun, quand il y avait souvent que mission, hein, il y avait notre père à côté là. Voilà. Ça veut dire l'oncle de feu de l'île. Monsieur Tameze, il partait souvent en mission. Voilà, quelqu'un qui avait fait des études, il travaillait à la présidence. Mais quand on est en mission, est-ce que moi aussi, je savais qu'un jour, moi aussi, j'irai en mission? Je suis en mission. Mon hôtel, attendez, vous montre mon hôtel, Campanile. Voilà, ça ne coûte pas 5 francs. Vous voyez? Campanile, voilà, ça ne coûte pas 5 francs. Je suis en mission. Voilà, Zani. La toile camerounaise. Aroma. Parlons idée. Big up. Venez. Je vous ai laissé, non? Je vous ai laissé. Abe Kang, Abe Bami, Abe Ceci, Abe Toile. Aïn, oh, bipé. Parfois, quand vous ne me voyez pas sur Facebook, hein, je fais une journée. C'est comme hier, là. Mais en caïman, je suis là. Je prends un peu. Et après de ça, je fais mon évangile. Oh, je fais mon évangile. Big up, Matt. Big up. Je sais, je vous ai manqué. Voilà. Vous savez, j'aime quand les autres lisent l'heure. Et je me mets en caïman pour les regarder aussi. Ok? Voilà. Zani. Ouais. Zani, bipé. Ne mettez pas sur vos pages ou alors vos profils. Parce que je sais très bien, vous m'aimez et c'est comme ça aussi que vous aimez les autres. OK? Mais moi, je n'interdis personne qui est dans mon enceinte d'aller ailleurs. Mais par contre, eux, il suffit seulement de voir vos profils à mettre le cœur de Komamugu. Vous allez lire là. Alors que vous êtes là comme cela, vous suivez tout le monde. OK? Ça veut dire, une fois, ceux qui sont comme ça là, hein, vous voient dans leur blog, et que, non, n'ayez pas peur. La toile camerounaise va changer. Ça doit changer. OK? Nous allons donner à César ce qui appartient à César. C'est ça qui est ça. OK? Ce qui se passe là sur la toile. Moi, je vais parler à maman Chantal là, ici. Ouais. Je vais parler à maman Chantal là, ici. C'est la deuxième fois. OK? Je vais me prononcer sur son sujet. Des bagarres là sur la toile. Est-ce que vous comprenez un peu? Bipez les voisins. Et vous savez, quand moi je m'exprime comme dans le réel, ok, c'est pas comme sur Facebook. Parce que Maman Chantal là ici, je peux pas m'adresser à Maman Chantal là ici comme si je m'exprimais dans notre game là. Non. Je ferai comme j'avais fait avec Tata Aline. Ok? Ouais.
Et les deux sont venus me féliciter. Sont étaient venus me féliciter. Est-ce que vous comprenez un peu mes gens? Voilà. Partagez. On va déjà full. Je peux faire un peu. Je veux garder ma famine là. Je veux manger même si c'est à quelle heure. Ok? Faut que je m'exprime. Parce que il y a des choses là sur la toile. Ainsi de suite. Tellement. Je suis arrivé sur la toile hier. Je maîtrise. Oui, la toile plus que beaucoup là. Est-ce que vous comprenez? Même nous que président des blogueurs ne maîtrise pas la toile comme moi. Ok? Il y a des sujets, je ne mets pas ma baffe. Mais lui, voilà. Partagez mes gens. Partagez. C'est mon introduction, hein. Je ne vous ai pas encore dit bonsoir, voilà. Vous savez, de comment Mougou c'est lui, même lorsque quelqu'un vient voir de comment Mougou derrière, ok, pour une histoire qui s'est passée entre deux personnes, vous allez toujours voir de comment Mougou. Regardez, la fille Chang était venue me voir en e-box, je vous ai montré, ok, mais comme je n'étais pas avec eux là-bas, là où ça cohabitait là, ok. Je ne peux pas venir sur Facebook dire que oui, hein, je maîtrise parce que c'est elle qui est venue me dire. Non, s'il fallait que je sorte, ok. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas celui-là. Regardez très bien. Il y a des sujets là sur la toile. Vous ne voyez pas de comment Mougou. De comment Mougou connaît son couloir, l'onfouji berasin, le comportement des cours communes. C'est tout. Et en même temps, il dit des vérités. J'ai un vécu. Vous dites que je suis vieux, non? Mais sachez donc alors que, ok, mon parcours là, jusqu'à ma vieillesse là, j'ai beaucoup vu des choses. Je connais que ce soit au niveau de la femme. Moi, je ne peux plus être avec une femme, hein, et que voilà, ça se gâte. Tu comprends? Et venir là, non. Moi-même, je saurais pourquoi ça s'est gâté. Partagez mes gens, non? Partagez. Il y a beaucoup, même les gens qui sont venus pour souvent nous supporter, hein, eux-mêmes sont déjà dans les directs. Voilà, ils veulent même nous ravir. Partagez. Daniel Bot, big up. Et Daniel Borouama, Yeben, big up. Partagez, mettez sur Messenger. Voilà, mettez sur Messenger. Parce que même quand je parle bien, même quand je ne framponne pas, hein, on signale. Mettez sur vous Messenger. Ton ami qui veut regarder, regarde. Si la personne qui ne veut pas regarder, ne regarde pas. Ça ne va pas te causer, voilà. Hein? Partagez. Moi aussi, je partage. J'envoie en Côte d'Ivoire, au Gabon, hein, au Congo. Là où on me connaît, là où on me respecte, j'envoie là-bas là. Ouais. C'est ça qui est ça. Je ne suis pas dans mon église aujourd'hui. La cuisine rouge. Là où il y a. Ok? Ok? Parce que les gens parlent pour s'attaquer. C'est que la cuisine rouge, mon église, ok, la première communion de mon église, il y en a qui ne peuvent pas faire ça. Ok, tu t'attaques à ça. Ok, tu vas l'île. Ok, même ta famille au pays n'aura même pas des kilos de riz. Parce que la cuisine rouge, ok, devenue star sur les réseaux sociaux là, ok, c'est qui sort de là-bas là. Il n'y a que la bouffe africaine. Mais je suis en mission, je suis obligé de faire comme les Moukala, hein, mais dit couscous, ben merguez et coupe. Partagez non mes gens, vous me regardez, hein, réagissez aussi. Julien Amandine, big up, mettez les cœurs. Réagissez. Il y a un désordre là sur la toile. Je suis l'église. Ok? De toute la toile. Ok? Voilà. Ça dit partager. Parce que il y a un truc là.
Je veux parler à maman Chantal, à ici. Voilà. J'ai connu, j'étais envolé à l'école primaire quand je faisais l'école missionnaire pour aller regarder comment les avions volaient à l'ancien aéroport. Il y avait un meeting du RDPC. Toute la famille à Issy-le-Duc, c'est là où je les avais connus. Je vais parler de deux, maman Katino et Chantal à Issy. Voilà, ça me viendrait du fond du cœur. Parce que mes larmes pleurent, mes larmes pleurent. Mes larmes pleurent, ce que moi je vois là sur la toile, mes larmes pleurent. Ouais. Maman Chantal là ici. Voilà. Maman Katino. Hein? On va malaxer Mina. C'est quoi le délire? Hein? Il faut voir Cédébitouma qui a accueilli Frédéric l'autre jour. Ça veut dire le petit pou Bamileke là, Bébela, Roberto Sengangoum, marquez son nom ici, il vient prendre sa tasse. Voilà Warius. Tandis que tu dis que de comment Mougui avait les Bamileke, toi tu avais les Bamileke. Avec une Bamileke, mais on ne veut pas que la Bamileke la vienne chez toi. On dit que Frédéric a mangé les asticots et Bitouma. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Ce n'est pas moi qui dis. Tu es là avec ton visage là comme la coque d'un crabe, hein. Je parle, tu parles. Hein. Toi aussi, tu commandes déjà à mettre les gaines. Parce que j'ai dit que oui, le ventre, tu mets déjà, tu attaches déjà ton ventre avec la bande. Bébé là. Vous allez lire. Là. Voilà. Roberto Ngangoum dit que quoi? Feu de l'île ne doit pas aller chez les écans. Why? Parce que feu de l'île est tout. Quand moi je dis souvent que c'est feu de l'île, quand vous voyez les choses de feu de l'île là. Mbobo Noué, Abbe Baron de Suisse, tous ces gens qui sont dans le combat là, c'est feu de l'île, c'est les fabrications de feu de l'île. Vous dites que voilà Roberto Ngangoum qui dit que oui, si feu de l'île pas manger le poison à Bitouma, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ce n'est pas moi qui dis, hein? Voilà. Ce n'est pas moi qui dis. Après, quand je vous parle ici là, hein, je vous parle, vous là, hein, les Bitouma, hein, les Élise, ah non, ma Élise Battante, le nom là est tué. Tu n'es plus Élise Battante. Ça veut dire, vos choses là, ok? Vous là, Yangini, voilà Roberto Ngangoum qui dit que feu de l'île est tout pour les Bamileke. Ça veut dire tout. Il dit tout. Que la venue de feu de l'île à Bitouma, il n'a pas encore digéré ça. Et toi, tu es là, hein, avec ton visage comme la coque d'un crabe, en être carouleureux. Hein? Beau. Partagez. Mais mine bini. Ouais. Et toi, Roberto, si c'est Ngangoum là, si c'est qui là? Un petit pou. Même toi, tu as la même taille que Warius. Tu comprends? Tu es toujours, quand toi tu sors, hein? Feu de l'île, c'est qui? Non, mais disons-nous d'un peu de vérité vivante. Feu de l'île, tu peux venir dire que oui, parce que Feu de l'île est parti à Suresnes. Hein? Attends, oh, attends, Roberto, il faut arrêter ce que vous faites là. Hein? Faut arrêter ça. Ne venez pas toujours jouer à la récup pour venir sortir des inepties. Est-ce que tu comprends? Voilà les mêmes gens. Je me dis quand même. Bamileke. Attends, tu es malade ou quoi? Hein? Tu es malade? Heureusement que Bitouma elle-même, elle est comme ça. Voilà.
Hein? Et ka big up, big up, big up, big up, big up, big up. Big up, big up. Regardez-moi, macrocéphale. Tu es comme ça, tu as la même taille que Warriors. Hein? Tu es toujours en train de ramener bob, 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 bob. Hein? Toi, tu ne vois même pas que même Fleur de Lille, elle t'a frampoudé, maintes fois, Fleur de Lille t'a frampoudé, maintes fois. Tu viens dire que oui, c'est pas prendre le poison à Bitouma. Hein? Les Bamileke, attends, oh, enlève les Bamileke, les vrais Bamileke dans vos histoires là. Tu comprends? Voilà. Je te dis ça, oh, ah. N'importe quoi. Frère Lise, c'est qui? Hein? Toi, tu ne vois même pas que tu es en train de framponner. Ok, les Bamileke, en disant que oui, si Frère Lise disparaît aujourd'hui, vous êtes cuit. Vous êtes cuit dans quoi? Elle représente quoi? Elle fait quoi? Hein? La communauté Bamileke, c'est un peu près comme les musulmans là. Hein? Elle représente ça. Hein? Quand vous voulez jouer à la récup, ok? Jouer à la récup, hein? Sur les vrais sujets. C'est Warros qui allait vers Fleur de Lille. Hein? N'importe quoi. Vous êtes toujours là sur Facebook. Derrière vos écrans de téléphone. Bac, 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 bac. Et dans le réel, vous regardez le bout de vos chaussures. Pas le bout de vos nez. Tu es comme ça, comme un pou. Si c'est toi, Roberto. Comme un pou. Regardez. N'importe quoi. Partagez mes gens. Partagez, partagez. Partagez. Tu es comment même? Hein? Même à la base même qui te connaît. Ok? Même ton comportement là-dessus, hein? Wow, 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 wow. Tu veux trop élever, hein, la tribu Bamileke? Hein? Est-ce que tu élèves alors dans cette tribu Bamileke là? Hein? Comme il se doit. Si tu ne dénigres pas les autres, faut arrêter ça. Voilà. Tu n'es qu'un petit pou. Rien du tout. Maintes fois, la même Fleur de Lille t'a ridiculisé ici. T'a framponné. Anouama, si on pleure de Fleur, si on perd Fleur de Lille, c'est pas mourir de poison à Surez, Abituma plutôt. Hein? C'est fini pour nous. C'est fini pour vous. Ambon! Ambon! Idiot de potence! Donc pour vous, hein? Pour toi, si Fleur de Lille, partout, elle fait le ndog là. Parce que quand on est ndog, on ne sait jamais. Ok? Voilà. Même son propre ennemi, on ne connaît pas. On ne sait pas. Tu comprends? Donc si elle part d'ail, vous les Bamileke, c'est fini. C'est fini. Pauvre idiot. Tu vois pas que même tes propres discours, les Bamileke ne t'ont jamais d'accordisé? La même Fleur de Lille. Taïa Fampoudé, maintes fois, Taïa dit, laisse-moi tranquille. À nous, Wamassi, Fleur de Lille, si nous perdons Fleur de Lille. Parce qu'elle est partie à Bitouma. En bon? Parce que Fleur de Lille est partie à Bitouma. Tu viens, tu conjugues. Si vous perdez Fleur de Lille, vous, je ne sais pas, vous les qui? C'est pas le peuple Bamileke. Parce que le comportement de Fleur de Lille n'incarne pas, ok? Le comportement des Bamileke. Est-ce que tu comprends un peu? N'importe quoi. Ayana ni ilan ayan. Vous voulez mettre à temps Fleur de Lille? Donc tu veux y parler, dit que
tous les gros types là, Abu Foucho Victor, Abu Kadji, Abu Ceci, des personnes qui ont donné des, ça dit, du travail, ainsi de suite, à tout le Cameroun, du nord au sud au Ceci. Tu n'as pas dit ça, hein? Mais ce feu de l'île, si vous perdez feu de l'île, les Bamilekés, c'est fini, en bon. En bon. Tu es sûr que tu es un Bamileke? A Yanani Lang Robertong Sangangum. Il joue de potence. Oh, je continue à dire, du moment en amour, ce que vous faites là sur Facebook, ça n'existe pas. Ok? Vous serez toujours vaincu. Why? Attends, si tu interdis Magina Kinkam, hein, d'enlever les filles et quand, elle va devenir quoi? Elle va devenir quoi? Et top Dieu, arrêtez-nous ce que vous faites là sur la toile. J'ai dit, allez chez le psychologue. C'est tout. Cannabis psychologue. Toi, Roberto Ngangum, tu as la même taille que Warriors. Anou Wama, Frère Lille, comment est parlé manger là où il y a les asticots? Hein? Attends. Il dit, hein? Écoute-moi très bien. Si c'est Frère de Lille que tu prends, tu mets au devant que si elle disparaît, c'est fini pour les Bamilekés. Tu te plais, Roberto Ngangum. Si c'est ma sœur qui était ta femme, ça dit, je venais la récupérer. Parce que toi, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. À chaque fois que tu sors, tu ne vois même pas que la même Fleur de Lille, à chaque fois que tu lui as porté du doigt, elle t'a toujours framponné. Elle a toujours dit aux gens que laissez celui-là. Petit pou. Partagez. Général Lomagnan, big up. Moi, je veux manger le couscous. Voilà. Si vous ne partagez pas, voilà. J'ai fait mon show et je ne dis rien. J'ai dit, je veux m'adresser à Maman Chantou. Ok? Vous qui me suivez, vous savez très bien. Hein? Quand l'unité était sortie ici, j'étais fouca. Je n'ai pas encore valorisé qui ici. Hein? Toutes les stars là, je les ai toujours valorisées. Toutes les stars et en même temps, je les framponne. Ouais? Partagez, il y a un petit désordre là sur la toile. Voilà, un petit désordre. Il y a des followers, je lis les commentaires qui veulent couiller les têtes, qui veulent. Et comme vous savez très bien, moi je continue à considérer les faux profils, voilà, qui sont des docteurs, qui sont, voilà, des personnes. Parce que, je vous dis, même les hommes d'État là nous suivent, hein, nous sommes des comédiens, ok? Nous sommes des dangereux comédiens, mes gens. Tu es l'invisible, big up. Lorraine Vaux, big up. Thérèse Tamale, big up. Venez. Il y a celui, voilà, du Cambindo. Voilà. Vous savez très bien. Tous les week-ends, il vagouille les milieux. Là où, quand les gens finissent de commander les formules, ok, comme lui-même, voilà, et se met à délirer, ok, et à l'ancrer dans les histoires des familles des gens, voilà, les enfants des gens, comment, tu sais, du Cambindo, même ton type là, il veut d'abord te dire, c'est un pauvre idiot, ça veut dire, il est limité, tu comprends, non, limité, ils sont nombreux comme ça, hein, qui ont fait ce genre de business là, ils n'ont plus de kaolo. Ok, ils étaient des Français, ils n'en ont plus, ils sont remplis à Paris comme ça là. Les gens, comme vous voulez toujours jouer au lieu de la Berlue, venez jouer au lieu de la Berlue et ça retombera toujours sur vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Toi, un pauvre petit porc-pron, au lieu de chercher à aller résoudre tes problèmes avec la mère de tes enfants, pour que tu puisses voir tes enfants,
Tu es là sur les enfants des gens, tu es là sur les parents des gens, tu es là pour t'occuper des vies des gens. Tu comprends? En que temps, le temps passe. Tu vois tes bougounis là, on voit déjà du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. C'est la dépression. Va t'occuper, va voir la mère de tes enfants, ok? Fais tout et pour tout, pour que tu aies une assise. Nous voulons voir tes enfants, ok? Voilà. Arrête de nous poser des photos. Il y a de cela 4 ans. Tu comprends, de tes enfants. Nous voulons les voir. Là, 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 là. Venir dans tes 4 pièces. Là, les histoires que oui, les révélations. Abba, abba, ceci. Qui a fait venir tel. Wow, 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 wow. C'est comme ça. Au fur et à mesure que vous continuez avec ces habitudes-là, les bienfaiteurs bloquent. Moi, je peux vous dire. Tu comprends? Moi, j'ai bloqué ça. Je ne vous manque pas, mes gens. Ok? Voilà. J'ai fait venir des personnes. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est ça. C'est ça. Toi-même du Cambindo, tu dis que oui, tu as fait venir ton petit frère, mais il ne te parle plus. Cherche, même ta propre famille, que tu fais même venir, ça ne te parle pas. Cherche. Tu comprends? Parce que toi, tu es ici. Ça, c'est mon introduction. Hein. Tu es ici, avec nous. Nous laissons même les femmes. Nous sommes des bonhommes. Tu es limité en tout. En tout. En tout. Je dis en tout. Ça veut dire, quand tu dis, demande aux gens d'aller en vacances avec leurs enfants, les gens partent en vacances, hein, ils ne sont pas obligés de venir te montrer. Ok? Voilà, ils vont en vacances. Alors que toi, tu es tilté. Tu es tilté. Ça veut dire ton sperme, on arrache ton sperme, tu comprends? Le peu, ça dit c'est toi qui prends le sperme des gens là où on met dans ton pou, tu comprends? Derrière, est-ce que tu comprends un peu? Mais ton propre sperme, on a arraché ça, tu comprends? On a arraché. Ce n'est pas moi j'ai fait tu arrêter ta matinale ce matin, hein? Parce que comme tu es bête, l'aide de la production, ça commence à quelle heure? Quand tu travailles le matin, l'heure de la production, c'est à quelle heure? C'est moi, je t'ai fait arrêter parce que tu étais comme ça là sur mes commentaires. Parce que je disais que, mais attends, oh, ta production commence à quelle heure? À 8h, tu étais encore à la matinale. À 8h, tu étais encore à la matinale. Frère, s'il te plaît, continue à aller fouiller dans les vies des gens. Va là où tu peux récolter tes accords là. Comme tu as dit que oui, quand tu es là-bas là, on te paye. Tu ne bailles rien. Tu comprends? Tu bois, tu ancres dans les délits avec des sous-là qui ont gratté les anciens bengueters, qui ont passé le temps à faire du faux. Faut lui dire de venir parler. Il veut prendre son sujet ici. Je veux décortiquer. Tu comprends? Et je serai même prêt d'aller à la police. Ouais. Sur la vie de mes enfants, je serai prêt. Tu comprends? Va toujours dans les Nganda, là où les gens ont raté leur vie, à faire que du faux, au lieu d'aller travailler. Ils ont passé le temps à faire du faux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que, hein, quel remerciement, hein? Même quand un pareil business, tu reçois les sous, non? Tu veux encore quel remerciement tous les jours, hein? Aïe, la limite, là! Avec ton type. Est-ce que tu comprends? Mais Yelmenu Milan, t'as pas honte, hein? Tes propres enfants ici, ton propre sperme, ok? On t'interdit de voir, parce que tu les as touchés, ok? Voilà, tu ne parles pas de ça, hein? Tu parles des enfants des gens, hein? Toi-même, tu as fait venir ton petit frère, hein? Il était venu comment? Est-ce qu'il te parle, du camer? Est-ce qu'il te parle? Ton petit frère te parle? Il te parle. Plus personne ne veut te parler. Tu peux commander à boire, à manger dans les Nganda le week-end. Hein? Ouais. Un mec comme ça là. Je suis dans un angoisse. Ça vient me dire que oui. C'est moi. Je vais t'envoyer chier. Tu comprends? Idiot. T'as pas encore compris? Pourquoi on te déteste sur la toile?
toi-même, tu es ici en Bengue. Aucun certificat, ça fait 22 ans, aucun certificat, rien du tout, aucune formation, aucun, pas de permis, rien. Tu es un superviseur. Et en plus, ta matinale, c'est moi, aujourd'hui. Tu sais, tu avais dit, quand de comment mourir derrière toi, tu sens. C'est moi, j'ai fait, tu as arrêté ta matinale. Ce matin. Tu comprends? Voilà. On commence à produire à 7h30. Ok? Là où on produit, c'est 7h30. Nous ne sommes pas des bureaucrates. Ok? On dit que oui, tu ne travailles pas. Tu veux jouer au la belle lui. Tu sais combien de fois tu fais tes matinales là? Hein? 8h passé. Hein? Regarde encore tes matinales. Et c'est moi qui te rappelle que du Cambindo. Il est quelle heure? Tu sais, quand moi, j'ai toujours demandé à mes gens, ne soyez pas éloignés de vos ennemis. Allez après de vos ennemis. Question de voir comment Babou me plan pour t'atteindre. Regarde-toi. Même là où tu dors, je continue à dire, dernièrement, il y a une femme qui est ancrée. Elle a ouvert la porte centrale. Elle t'a dit bonsoir. Après, elle a ouvert la chambre. Mais tu parles le temps à dire que ma tante, si, quand elle est au téléphone, elle parle fort, qu'elle attend, oh, il faut arrêter ça. Qu'elle dit, bigop. Hein? Tu vois un moribond? Hein? Peut-être qu'il est coincé? Wow. Tu appelles les gens. Tu dis qu'on va venir témoigner. La personne qui avait fait venir telle. N'importe quoi. Tu resteras toujours un idiot. Tu comprends? De potence en plus. C'est mon introduction parce que j'ai plus le temps de voir. Parce que je vois le comportement des followers. Hein? Bo. Hein? Vous n'avez même pas honte. Ok? Vous n'avez même pas honte. Là, sur la toile. Moi, je continue à dire, mais nos devant Dougou, le jour où vous allez voir de comment Mougou changer de philosophie, ok? Enlever son nom, ok? Je m'appelle Amougou, avec mon joli petit prénom, ok? Mon identité est sur Facebook. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que là, sur la toile, arrêtez ça. Ok? Moi, un follower ne peut pas me pousser à changer ma philosophie. Ah oui. Même si ça arrive 1000, me dit que de Komamugu à droite, mais quand t'as. Vous ne me connaissez pas. Moi, je suis comme ça. Moi, quand une chose m'est venue du cœur, hein, ma tienne de qui? Ouais? Mais je vois là, sur la toile, hein, il y en a, certains followers réussissent à manipuler, hein, et ça change de philosophie, de stratégie, hein, arrêtez ça, soyez des personnes zigris, faut pas. Il y a des gens, je vous ai dit, là sur Facebook, il y a de la sorcellerie, il y a des sorciers. Et beaucoup, la sorcellerie est tellement minable. C'est des vrais sorciers hein, dans la vie réelle. Mais tellement la sorcellerie, hein, tellement minable que elle, ça n'a jamais tué une mouche. Ça vient donc alors s'installer. Et vous voyez donc alors beaucoup sont là, en profil. Ça n'aime pas la joie, ça n'aime pas là où on sourit, ça n'aime pas. Il faut toujours que les gens soient toujours avec les visages froissés. Ça les nourrit. Ouais, ça les mange joie. Arrêtez ça. Non mais c'est un Tinda. Vous savez, hein? Beaucoup sont en Bengue parce que quoi, on a help. Est-ce que vous comprenez un peu?
Et si vous voyez ça même un peu diminuer, ça avait des gens comme les Ducambindo. Regardez, un macrocéphale. Avant de parler à Maman Chantou, voilà, ça dit, hein, regardez. Bon, bref, je vais d'abord faire un big up. Je vais faire un big up à mes décommis, mes fidèles, mes détracteurs les plus assidus, mes détracteurs qui veulent ma descente. Voilà. Mais je vous ai toujours dit, mais Sigi, ça vous dit, oui, mais vous ne pouvez pas. Voilà. Je suis à Aulnay-sur-Bois. Voilà. Plus particulièrement à Blanc-Mesnil. OK? Maintenant, hôtel, Campanile. OK? Je suis en mission. Voilà. Sud de Komamogo. Voilà. Il y a beaucoup là qui veulent jouer lui la belle, des simples petits visseurs qui n'ont aucun titre. Voilà, aucune formation de renommée, à rien, pas de permis, ça veut dire limité en tout. Voilà, et ça mendie là sur la toile. Aujourd'hui, sa mendicité a été abolie. Si ça dit, plus personne ne veut, plus personne. Nous, on va tuer ça. Nous, on va tuer ça. Maintenant, si tu n'as pas ton propre monde qui peut te donner des étoiles, tu ne vas plus profiter des étoiles. Des propriétaires, des autres, voilà, c'est pas, des autres patrons, c'est comme ça. Donc, mes gens, un macrocéphale, mais bien sûr, mais oui, Belin, Belin, big up, big up, big up, big up. La magre des magres, il y a au neve, venez, 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 mes gens, ça me dépasse, hein. Voilà, ça me dépasse quand même, la toile, elle est un peu bizarre. Je comprends que les profils, hein, manipulent vraiment les profils. Et comme je vous dis toujours, l'être humain est vulnérable en tout. OK? Et je ne peux pas encore dire ignorant parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Il y a parfois, nous sommes ignorants sur certains, voilà, choses quand même. Est-ce que vous comprenez un peu? Mato, Mato, big up, big up, big up. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais la toile devient un peu bizarre. Bizarre. OK? Je ne sais pas pourquoi. Moi, il y a toujours eu les histoires que, bon, voilà, mon électron libre, mon électron libre. Voilà. Il ne faut pas refuser. Hein. Quand quelqu'un dit que maintenant, avec l'électron libre, voilà, il ne faut pas beaucoup faire de bruit. Restez tranquille. Voilà. C'est une fois que vous constatez que, voilà, son comportement, hein, n'est pas digne d'une personne, voilà, et ses canaux électroniques libres. Là, vous pouvez sortir. Et vous savez toujours, tout finit toujours par sortir. Voilà. Même si tu es venu, même si tu fais le malin, même si tu fais comment, tu comprends, non? Ça va toujours venir. Un jour, toi-même, tu vas te vendre. C'est pour ça que je ne me mêle pas clou-clou sur certains sujets. Voilà, sur certains sujets. Mais moi, quand je ressens que, voilà, ça devient un peu bizarre, je tape, voilà, et je ne donne pas de fromage. Moi, c'est comme ça, là. Et à l'aide à Tangana, big up, big up, big up. C'est comment, non, Valérie Bessala, big up, big up, big up. Donc, mes gens, je veux parler à Maman Chantou, voilà. Et pourquoi ça fait ça, c'est la deuxième fois que je vais parler, hein. Parce que la fois passée c'était avec Tata Aline, j'avais parlé et en retour, voilà, les deux m'avaient remercié, voilà, parce que je m'étais comporté comme dans le réel, pas comme dans Facebook. Doucement, parler à mes grandes sœurs et tout. Voilà. Parce que, quand vous entendez qu'une personne se salit, ok, une personne se salit, si tu es, même si tu es qui, même si tu es qui, tu viens dans nos confus, ici, ok, la façon que tu viens, et c'est comme ça que, voilà, tu vas recevoir, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, j'ai toujours dit, c'est comme le kangourou de Suisse. Voilà. Quelqu'un qui était venu dit que voilà, il vient blanchir nos toiles.
Et moi, j'avais compris que lui, il est plutôt venu salir. Parce que quand tu dis que voilà, les gens sont des affamés, ils sont sales, ainsi de suite. Si tu veux intégrer leur milieu, rends-les d'abord propres et donne-leur à manger. Voilà. Parce que si tu ne le fais pas, ça serait la conjugaison de Malox. Tu sais qui je suis, attends, tu es qui? C'est comme ça. Voilà. Donc, notre toile, vous voyez très bien, les pareilles histoires avec les mamans Chantou, c'est pas dans nos confus, il faut venir mettre ça. Et moi, je m'adresse vraiment à maman Chantou. Voilà. J'aurais voulu qu'elle sorte. Voilà, quand Valérie Amougueté est venue là, que oui, c'est elle qui envoie, c'est elle qui envoie et tout, qu'elle sorte, hein, ou dit, ce n'est pas moi, ou alors c'est moi. Voilà, parce que le fait qu'elle n'était pas sortie, c'est ça qui est aussi, qui engendre aussi tout ce que nous y avons là sur la toile. Voilà, l'imagine à quelqu'un qui dit que oui, elle va passer là-bas là. Alors que Mama Chantou, elle me met là une page là où elle peut s'exprimer. Et là, moi, je ne comprends plus rien. Parce que quoi, même la même Magina Kinkambia, moi, j'ai vu, parce que mes larmes avaient pleuré. C'est-à-dire, en ce moment-là, quand Magina Kinkambia, elle m'avait framponné, Mama Chantou. Ouais, ça avait pleuré. Elle avait beaucoup parlé. Elle avait tellement dit des choses. Et que moi aussi, j'apprends que oui, ça va aller passer là-bas, là, les clubs pour venir parler. Non. Moi, je ne peux jamais être d'accord. Je ne peux jamais être d'accord. Moi, quand Valérie Amougou était sortie, voilà, que Mama Chantou, hein, m'a assermenté de venir dire ceci. Moi, même dans mes discours, je disais que, mais pourquoi elle-même ne peut pas venir parler? Pourquoi ça t'envoie? Et en plus, Valérie Amougou rajoute ses propres choses. Voilà, mais il y a seulement qu'elle va aller passer là-bas, là. Mes gens, il faut arrêter. Il faut arrêter. Moi, je vous dis, ce n'est plus comme avant, les histoires qu'on disait que oui, hein, est-ce que tu sais qui je suis? Parce que, quand tu as un nom, et que nous sommes des comédiens dans nous comme Fujibé, nous sommes tous des comédiens, tous. Mais si tu viens là que tu veux venir jouer dangereux, ok, ton nom sera sali. Même si tu es qui, même si c'est Papa Paul ou bien Maman Chantou qui vient dans notre game là jouer ou lui la belle, mais mon ami. Et il y en a ici en Bengue qui vont leur dire que m'attendez, oh, c'est comme ça. Donc, Mama Chantou, parfois, moi, je vous ai connu, votre famille, j'étais à l'école primaire. J'étais au CM1. Ouais, j'étais au CM1. Je faisais souvent l'école missionnaire avec mon camarade de classe Kamto. Voilà. Son père, c'était un Bia qui avait des fermes, quand je dis des fermes, et ça veut dire, il faisait souvent l'école missionnaire avec mon ami, mon camarade de classe Kamto, on vous prenait les aveugles d'œufs dans la ferme de son père, on partait chez moi à Obili, quand ma mère finissait de faire ces trucs-là, comme elle faisait les bains, au lieu d'être à l'école, ma mère était en route pour les bains, bouillie, jazz. Voilà, mon ami, mon camarade de classe Kamto, on prenait la grosse casserole, on mettait deux aveugles d'œufs, et on faisait les corps missionnaires pour aller regarder le vol des avions à la scène à l'aéroport. On était au CM1. Et donc, un jour, il y avait le meeting du RDPC, c'est là où moi j'ai connu la famille Aïssi. Ouais, on n'était même plus allé regarder les avions. Il y avait à boire, à manger, mais dans nos catabes, il y avait des œufs. On mangeait, on pétait là, propre. Voilà. Donc, moi, Maman Katino, Maman Chantal Aïssi, ouais. Ça veut dire, moi, quand je parle, les deux là, les deux, mais moi, quand je vois ce qui se passe là sur la toile, hein? Dieu ne partout, partout, partout.
Je suis même obligé de framponner, de framponner. Voilà, de framponner. On vient dire que oui, il y en a qui viennent dire que je framponne, on les écarte. Non, 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 non. Le comportement là sur la toile. Maman chante tout normalement. Hein? C'est à toi de stopper ça. Ne ramène pas avec Bakobe Wedjo partout, partout. Hein? Les gens disent que oui, tu vas aller intervenir. Tu vas aller intervenir, tu vas dire quoi? Aller intervenir même chez la même personne qui avait fait, il dit, un long discours ici là pour te boler, pour te boler. C'est pour ça qu'il dit souvent, moi, je ne comprends pas. Moi, quand j'ai ma ligne de conduite, me canne, non, je ne pas plus. C'est comme assurance. Je ne mettrai plus jamais mon pied là-bas. Je ne mettrai plus jamais mon pied là-bas. Mais oui! Hein? Je ne mettrai plus jamais mon pied là-bas. Parce que vous vous fréquentez. Moi, je peux encore comprendre. Moi, je prends ce qui se dit là sur la toile. Je parle. Oui, je framponne. Ce n'est pas que oui, j'ai vécu les scènes avec les gens dans le réel. Non, 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 non. Il y a une différence. Les mêmes gens, vous vous êtes fréquentés. Hein? Ça dit, miabou, tout, 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 tout. Et pac, là sur Facebook. Mambe plainte, mambe ceci, il ne m'amène vite. Il ne m'amène vite. Why? Il ne se fait jamais tard. Voilà le grand baraque. À quel âge? Hein? Hein? Travailler! Travailler! Hein? Voilà maman Katino qui continue à se battre. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, elle fait ses petits trucs. Voilà, elle récolte un peu ses miettes. Hein? Vous venez rester sur Facebook. Hein? Mia, c'est toi, bah, Facebook. Hein? Et c'est comme ça, on vous insulte. Ben, Roberto, Bakoba et tout ça, là. Non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Hein? Au fur et à mesure, Dieu, ton nom est partout. Hein? Avec les noms des gros messieurs de la République. Hein? Parfois même, je ne sais pas si c'est des choses inventées ou bien, ça dit Dieu, il invite. En fouben et tout, franchement, franchement, il faut que ça se termine. Ouais, il faut que ça se termine. C'est une vérité. Ouais, parce que vous êtes là. Hein? C'est vous, c'est vous. Hein? À chaque fois, vous êtes malade, vous êtes malade, vous êtes malade, vous êtes malade. Parce que non seulement quand l'esprit d'une personne n'est pas tranquille, tu tombes vite malade, ou belbe petit, bobo et tout ça là. Toujours ma main vide, ma main vide, ma main vide. Arrêtez un peu ça. Arrêtez. Ok? Rien ne peut se résoudre ici là dans nos confusions. Rien. 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 Rien ne peut se résoudre. Parce que quand tu ramènes ton problème ici là, mais mon ami, tu vas aller là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Si vous considérez ces problèmes là que vraiment c'est des problèmes sérieux. Ok? Et vous venez juger ça, dans ça là, dans nos histoires là. Hein? Même les gens qui vous ont insulté hier, qui vous ont dénigré, qui ont tout dit, qui ont sali. Même maman Chantou, toi-même, tu avais dit que tu vas taper, tu as juré que tu vas taper Fleur de Lille ici. Hein? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Why? Il faut arrêter. Hein? Vos histoires de framponnement, abe loulou, abe ceci, abe cela, il faut arrêter ça là dans nos confusions. Il faut arrêter. Parce qu'il y en aura toujours les gens qui vont venir là. Voilà, tellement c'est écrit. Et vous savez très bien, parfois les gens réagissent à partir des commentaires. Oui, que il faut arrêter. Non, mais c'est une vérité. Hein. J'ai fait ce petit coup m'écrase, c'est tout simplement pour vous dire. Arrêtez un peu. Ou alors, vous qui aboyez là, comme moi, si comme ça là. Ok? Les commentaires, les gens qui viennent là, les profils qui viennent là, pour vouloir coin les têtes. Ok? Ne calculez pas. Faites comme de Komamogo. Moi, quand je vois un commentaire, tu viens jouer lui là, mais je vais t'envoyer, t'es voici là, propre, et tranquillement, tranquille. Hein? Je vois Obe Lolo Magnan, Abe Cécib, Black Bouti, Bo, 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 Bo. Il y a quoi? Il y a quoi? Il y a quoi? Hein? Il y a quoi? Hein? Il y a des. Voilà.
Wow, ça se raconte de gauche à droite, tel dit ceci, tel dit cela, wow. Moi, je vous observe. Je vous observe. Mais je continue à dire, toi qui s'exprime, ok? Voilà. Si tu avais tué quelqu'un, si tu avais quelqu'un dans ton cœur, et que c'est une autre personne, les autres, les gens qui viennent là, pour pouvoir changer ce que toi. Non, mais non. Moi, j'ai dit, Lolo, normal. Moi, j'ai dit à Lolo, tu sais, j'ai dit, n'est-ce pas? Mais tu peux, mais direct précédent, j'ai dit, quelqu'un framponne Lolo, elle framponne, mais intelligemment. Mais moi, si les gens veulent pousser Lolo à framponner Chantal là, ici, moi, j'ai dit non. Lolo ne doit pas le faire. Je dis seulement, hein, parce que je lis les commentaires, je lis. Ok? Faut même pas que Lolo ancre dans ça. Mais si celles-là qui veulent jouer lui la belle, viennent framponner, tu comprends, non? Qu'elles répondent, avec, qu'elles répondent. Mais si on veut les couiner les têtes avec sa grande sœur, ta Chantal, là, ici, moi, je ne peux même pas conseiller Lolo de, voilà, d'ancrer dans ça. Je peux faire encore qu'elle framponne. Voilà, si elle peut framponner, c'est là. Mais oui. Mais Jean, il y a la sorcellerie sur Facebook. Je vous ai toujours dit, avant, on disait souvent que c'est la nuit, c'est la nuit. Non, non, non. Le Congo, ça que vous voyez là, ça veut dire, moi, je viens chez toi. Tu comprends? Claire Ndigui. Je viens parler, mal parler de, Kiko, Kiki, exprime-toi bien. Je vais m'exprimer comment? Hein? Quand tu vas souvent au village, hein? Ta famille qui n'a jamais été à l'école, là, tu ne comprends pas ce que ça dit? Hein? Non, toi, qu'est-ce qui est fini entre elles? Qu'est-ce qui est fini entre elles? Hein? Hein? Si c'est Kiko Kiki là, qu'est-ce qui est fini entre elles? Entre qui? Hein? Entre qui? Hein? Mais qu'est-ce que tu appelles confiance? Tu appelles quoi confiance? Non, mais disons-nous des vérités vivantes. Hein? Parce que c'est comme ça que vous faites souvent. Quand je vais sortir mes vérités, hein, vous allez commencer à dire que wow. Qu'est-ce que tu appelles confiance? Confiance de quoi? Confiance de quoi? Confiance. Il n'y a jamais de guerre en famille. Frère et sœur. Sœur et sœur. Hein? Qu'est-ce que tu appelles confiance? Confiance de quoi? Hein? Comme vous êtes seulement, ok, des dieux pour savoir qui est vraiment coupable. Hein? Confiance. Quelle confiance? La confiance, ce que j'entends, ce que j'écoute sur Facebook là. Il faut arrêter ça. Ayana nui lang. Kiko kiki. Mobume nui lang. Moi, je ne suis pas là où partez là. Les histoires, quelle confiance que tu parles? Confiance Mbé. Hein? Même quand on dit souvent que, hein, à deux personnes de faire la paix, hein? On demande de faire la paix, mais on ne demande pas de continuer à créer ensemble. Ayala nui lang. Allez, écris ça là dans vos trucs là, vous partez. Quelle confiance que tu parles.
Moi, j'ai toujours dit, il faut même un peu chercher même comment cette histoire-là a même commencé, cette amitié-là. Hein? Vous croyez quoi? On ne vient pas aussi profiter des blogueuses-là, hein, pour avoir de la visibilité. Que ce soit des stars, des musiciennes-là, ça ne vient pas profiter. Arrêtez ça. Nous avons ma confiance. Hein? Vous croyez que les gens ne cherchent pas les lolos, les feux de l'île, là, les gens qui ont la visibilité, là, hein, pour se refaire une surface? Faut arrêter ça. Vous venez des trucs, vous venez là, toujours sur la toile, hein, à nous, on a la confiance, à Yana Nuyelang et confiance du S. Moi, j'ai dit, c'est une honte. Tu comprends? Moi, si j'étais le conseiller de Maman Chang, je lui dirais même de ne même pas sortir, d'oublier ça. Et que s'il peut, elle peut même faire plus, elle fait un direct, voilà. Qu'elle stoppe ça. Faut arrêter ça. Confiance, confiance, confiance. C'est comme ça que vous êtes. J'arrête même le direct, j'arrête.